الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous retrouve pour la présentation des cours de sciences du Coran à l'Institut Nour al-Islam. Le Coran, le livre d'Allah, est la lumière venue éclairer les ténèbres et différencier le bien du mal, le vrai du faux. La finalité, l'objectif de sa révélation est donc d'être compris, médité et pris comme guide dans la vie. Pour cela, il ne suffit pas de lire les mots. Quiconque lit le Coran de façon superficielle est tel celui qui survole la mer et n'en connaît que la surface. Il ignore tout du monde des fonds marins et ses merveilles insoupçonnées. Pour découvrir celles du Coran, les merveilles du Coran, certaines notions doivent être connues. Et surtout, il doit être lu avec un état d'esprit particulier. C'est l'objet de cette matière, fournir à l'étudiant les connaissances nécessaires à la compréhension de la parole d'Allah et qu'ainsi il en fasse une lecture active, effective, l'esprit et le cœur en éveil. Tout comme Allah Azza wa Jal ne saurait être comparé à ses créatures, son livre ne saurait être comparé à ceux de ses créatures. Le Coran a sa propre logique, sans commune mesure avec celle des livres humains. C'est au lecteur de s'adapter à la logique divine du Coran et non l'inverse, à défaut de quoi il n'en connaîtra que la surface. Mais il faut pour cela connaître cette logique et savoir se laisser guider par les enseignements du Coran. Nous verrons durant cette année des notions importantes, telles que l'aspect miraculeux du Coran, la structure du texte coranique, sa dimension artistique, car elle existe, oui, le général et le particulier, les versets univoques et équivoques, les fondements du tafsir, entre autres choses, mais également la discipline de vie qu'il faut adopter pour avoir accès au trésor du Coran. Et enfin, l'année se termine par le tafsir d'une des sourates du Coran. Le support utilisé est le livre « Savoir lire le Coran, le comprendre et entrer dans son univers », écrit par mes soins, mais qui trouve ses sources dans les références classiques des sciences du Coran et du tafsir, mais présenté d'une façon adaptée à un public francophone. Comme tous les cours de l'Institut Nour al-Islam, les cours sont dispensés en live et disponibles en replay à n'importe quel moment, mais cela ne doit pas inciter l'étudiant à négliger sa présence lors des cours en live car celle-ci est importante. Il y a une interaction avec le professeur qui est bien sûr elle aussi non négligeable. Donc les cours de sciences du Coran auront lieu Inch'Allah le jeudi de 19h à 20h30, soit 1h30 par semaine. N'hésitez pas à visiter notre site nouralislam.fr ou à nous contacter à l'adresse contact@nouralislam.fr en cas de besoin de plus de renseignements. Qu'Allah nous permette de nous maintenir sur le chemin de la science et qu'il nous gratifie de cet immense bienfait d'avoir accès au trésor de sa parole. Barakallahu fikum, à très bientôt à l'Institut Nour al-Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.